Bonjour et bienvenue à toutes et tous dans votre vidéo qui parle d'amour au sens large du terme, c'est-à-dire pour un partenaire, vous-même, la vie, un membre de la famille, un ami. Vous avez cette fois un visuel sur les supports employés, alors sans qu'il soit limitatif. Et donc sur les supports employés dont les noms et les références sont sous la vidéo. Les indications mai et juin 2020 sont indiquées à titre de repère seulement. Les influences peuvent aller bien plus loin. Peu importe le moment où vous prendrez connaissance du message à l'intérieur de la vidéo, c'est que c'est le bon moment pour avoir l'information. Aussi, ayez à l'esprit que c'est un tirage collectif. Recevez avec le cœur ce qui résonne en vous. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue, cher Lion, dans votre tirage. Je vous explique très rapidement puisque vous avez le visuel devant vous, quel point je suis en train de décrire. Donc la partie qui est tout en haut, c'est la partie pensée. En dessous, vous avez le présent. Et à la gauche de ce point présent, vous avez le passé. Et à la droite, vous avez le futur. Sous le point présent, vous avez le point d'origine, que j'appelle aussi facteur caché. Et donc, à gauche de ce point d'origine, le point position. Et à droite, vous avez l'issue du tirage. Voilà pour cette petite explication. Et maintenant, je commence tout de suite pour votre tirage par ce qui se trouve dans la pensée, pardon. Donc le besoin de faire toute la lumière sur une situation qui vous échappe. Je pense que c'est à propos d'un engagement pour du long terme, une installation pour une vie commune peut-être. C'est le résultat d'une mûre réflexion. C'est finalement, du fait de cette interruption un peu déstabilisante, l'occasion de faire un bilan pour effacer les doutes qui vous étreignent. Dans la partie donc passée, votre passé amoureux parle d'un temps de partage et d'échange, de découverte. On voit que vos décisions sont prises après une période de réflexion approfondie. Il peut d'ailleurs y avoir la nécessité de s'isoler en conséquence des circonstances où la discussion est suspendue. C'est une manière de prolonger dans le temps, sans précipitation, le lien qui vous unit. Donc révélation, puis écoute attentive. C'est un peu comme ça que ça se déroule. C'est comme si vous intégriez les informations, les émotions de l'autre pour une compréhension optimale. J'en viens maintenant à la partie présent. Alors actuellement, vous êtes dans l'attente de retombées bénéfiques sur votre relation grâce aux mûres réflexions menées en commun dans le passé. Mais le dénouement, l'ouverture que vous en attendez pour passer à un degré supérieur tarde à venir. Le lien que je fais avec le point d'origine me montre l'élan et la vitalité qui vous permettent de rebondir face aux épreuves. Votre dynamisme aide vraiment à débloquer votre situation et même en atténue les conséquences. votre esprit est vif. Par contre, on vous dit de ne pas bousculer les choses et d'avoir de la patience. C'est la fin d'un but initial, un temps de transformation et d'intégration où vous devez tirer, entre parenthèses, grâce à un bilan de votre relation, vous devez tirer donc les leçons positives et négatives. Il vous faut être le plus objectif possible, savoir jouer de votre franchise et loyauté envers l'autre. Ne pas garder vos regrets possibles, vos attentes, dans les replis de votre pensée. Il en va ainsi de votre rayonnement mutuel. Dans le futur, il persiste une attitude à vouloir instaurer plus d'harmonie. Vous n'hésitez pas à être plus diplomate, à vous servir de votre magnétisme naturel, à confronter vos idées et expériences, à suggérer vos choix d'orientation, car je garde à l'esprit l'idée d'un engagement commun à l'étude. Il vous faut donc trouver la manière la plus appropriée de le faire. Donc ce sera votre actualité. Grâce à votre volonté, on l'a vu déjà, vous devriez parvenir à vos fins. Vous êtes fidèle à vos engagements. En ce qui concerne votre position par rapport à la situation que vous vivez, donc et en lien avec votre tirage, ici les sentiments sincères mais exprimés avec retenue. Vous avez du mal à vous détacher des apparences qui paraissent pour vous manquer de relief pour y croire fermement. D'où l'installation d'une ambiance floue, faite d'incertitude et confusion. C'est difficile de vous détendre et d'aborder les choses avec sérénité. C'est pourtant une grande aide pour vous permettre d'avancer plus tranquillement. On en arrive donc à l'issue. Et cette issue de votre tirage, on y note un puissant regain d'investissement dans le couple. Je dis regain parce que cela ne se présente pas dans la continuité d'attitudes anciennes. C'est un renouvellement des émotions, de la passion. Et c'est grâce aux échanges et vos expériences acquises par le passé, on l'a vu, doublé de votre réelle volonté d'être fidèle à vos vœux communs. Il y a une dynamique très positive qui se dégage et la possibilité même d'avoir une communication entre vous, tous les deux, encore plus riche, oui. Voilà pour votre tirage, cher Lion. Je vous remercie pour votre écoute. Et alors, si vous souhaitez obtenir une voyance personnalisée plus approfondie, que vous recevrez sous forme de vidéo si vous le souhaitez, ou bien par mail, je vous redonne mon adresse, de toute façon, qui sera notée en dessous de la vidéo, comme habituellement. Donc, jenny.voyance@hotmail.fr. Voilà, cher Lion, bonne continuation et à très bientôt. Au revoir.